Oh la coquine! Eh, hey, viens là, petite coquine! Et bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode. Donc, depuis mon retour de formation, certains l'attendaient cet épisode. Hein. Donc, vous inquiétez pas, je vous en avais quand même mis un juste après mon retour, mais un épisode qui avait été filmé avant la formation. Mais là, on repart, voilà. Là, c'est vraiment, voilà, 10 jours après. Beaucoup de boulot abattu par Yuri. Hein. On va le voir, d'ailleurs. Hein. Et d'ailleurs, bonjour Yuri. Bonjour, bonjour. Bon, alors Yuri, la forme. T'as pas eu trop de boulot pendant que j'étais pas là? Un corvée, j'en pouvais plus. Ah ouais, les corvées et tout là. Au moins Horrible. t'étais tranquille au moins. T'avais la paix. Ouais, du coup, bah, je vous d'ailleurs regardez, hein, en face de moi, vous voyez, Yuri a tout calé et tout. Alors, œil d'Alex Kidd, ça va de soi que ça, tout ce qui est à moi et à toi sur cette île, hein, tu le sais ça. Hein. Mais c'est tes yeux en fait. Ah, c'est mes yeux, d'accord. Là, c'est les os d'Alex Kidd. Ah ouais, d'accord. Alors, normalement, un corps humain, je sais pas combien d'os il a, mais s'il en a autant que dans ce coffre, c'est flippant. Au niveau des ressources, on est quand même pas mal. D'ailleurs, il y a peut-être des challenges qu'on va pouvoir valider là depuis. Parce que je crois qu'on a au niveau des slimes, on doit être pas mal aussi. Ouais, slime. Ouais, alors là, c'est les petits challenges que j'avais mis à Yuri. Alors, il me semble avoir dit deux coffres doubles de cobble. Ça a été fait. Bravo. Il me semble que j'avais dit la plateforme en bas, c'est bien avancé. C'est bien avancé. Et puis du coup, il y a pas mal de petites nouveautés. Donc là, c'est une farm à blé que tu es en train d'amorcer là, c'est Ouais, ça? j'ai juste commencé la plateforme, j'ai Ok, voulu ben. t'attendre pour comment. Ah, il est mignon. Il est mignon le Yuri. Il est mignon. Tiens, tu sais quoi, regarde, tiens. Rien que pour ça, je te lance une carotte. Donc du coup, Oh, merci. vous voyez qu'on a pas mal de petits villageois, donc Yuri a aménagé un petit espace pour que les villageois descendent, vous voyez, du spawner et aillent dans le chunk suivant pour qu'ils puissent continuer à spawner. Mais de toute façon, je crois qu'on est limité quand même par 8 ou 9 villageois. Hein. Donc après, par la suite, on fera peut-être un système de rail pour les amener à notre future Ouais, farm à on va faire. les trier, quoi. Ouais, on va trier ça, on se fera un petit village, pourquoi pas avec. Bon, vous voyez, il y a pas mal de blaze ici aussi là. D'ailleurs, on va s'en faire un ou deux, histoire de dire bonjour. Salut, ça va? Donc là, vous voyez, on a un spawner à blaze aussi, donc qui pourra être utile par la suite, qu'on a pu acheter qu'on a pu acheter à un shop de joueurs, parce que ça, c'est des choses normalement qui sont obtenables qu'avec la boutique, hein, ça y aurait. Bah, vu que le mec il vendait, moi j'ai profité. Ouais, non, mais on peut l'avoir qu'en boutique ce truc-là. Ouais, c'est qu'en Ouais. boutique, je pense. Donc, vous voyez que sans faire du pay for win, vous voyez, on a quand même réussi à obtenir quand même des choses sympas. Donc la farm à XP marche plutôt bien. On a quand même pas mal aussi de récolte de ferme. Vous voyez qu'il a fait le même système ici, qui est très sympa. Alors, petite astuce, Yuri. Alors moi je sais comment ça marche, mais il est peut-être bon de le dire. J'ai d'ailleurs vu que c'est une astuce que toi-même tu as employée sur l'île. Ça peut être bon que tu l'expliques. Alors comment, Yuri, as-tu mis voilà, deux coffres collés comme ça là? Simple, et un coffre de base et un coffre piégé à côté. Voilà, c'est ça, on alterne. On alterne un coffre de base et un coffre piégé. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le craft du coffre piégé, je vous invite à regarder dans la description, vous inquiétez pas, je vous mets ça, le craft du coffre piégé. C'est un tout petit. Je crois c'est un truc de redstone que tu rajoutes, je crois, un truc comme ça, non? Non, c'est Non, je sais plus. Je sais plus ce qu'on comment met ça dedans. s'appelle? Je sais comment ça s'appelle. Ouais, enfin, vous inquiétez pas, le craft sera dans la description de la vidéo, ainsi que les informations qui seront dites. Sur cette vidéo. Donc du coup, ben voilà, petite nouveauté, c'est ça. Alors, chose aussi qui a pas mal avancé, c'est la petite plateforme perso que je m'étais fait en bas, donc qui pour le moment n'a pas trop d'utilité, mais par la suite il y aura pas mal de builds faits dessus, et ça sera sûrement le lieu d'accueil des joueurs. Alors, faut qu'on voit avec Yuri, il faut qu'on en discute, et je vais vous montrer comme quand même la plateforme du bas quand même qui a pas mal avancé, faut être honnête. Vous voyez, hein, elle a quand même quasiment à moitié faite, donc il y a pas mal de boulot de fait. On y voit quelques slimes de temps en temps, hein, donc on va les tuer, puis du coup on se fait du slime. Alors du coup, est-ce que tu avais validé ton challenge de slime, Yuri? Non, j'ai rien validé. Non, alors tu sais quoi, je te propose qu'on prenne chacun son petit stack, sachant que normalement il faut pas un stack pour le valider, mais et qu'on valide sa fameuse quête slime boule. Donc 30 boules de slime pour 10 minerais d'or et 20 minerais de fer. Ah, bon, ça m'a donné que 5, mais c'est pas grave. Ça m'a donné que 5 lingots d'or et 20 minerais de fer avec 100 d'XP et 400 Skycoin. Donc voilà, donc là je vais remettre hop, les slimes que je n'ai pas utilisés. Je vais garrocher l'or dedans. Donc voilà, ça fait déjà un challenge de valider. Alors normalement on n'a toujours pas accès aux vétérans encore. Il doit y avoir encore un challenge à valider. Alors il y a le challenge charbon.
Alors, on n'a pas assez de charbon pour les deux, donc on va attendre un petit peu pour le valider, hein, tout simplement. On va attendre pour le valider. Hop. Alors, ce qu'on peut regarder, c'est l'autre, c'est quoi? Ah, je crois que c'est les blazes. Je crois que c'est bâton de blaze qu'on n'a pas fait aussi. Bâton de Ouais, et blaze, Blaze. blaze et charbon. Donc voilà, donc, blaze et charbon seront les deux choses à valider. Donc ça, on le fera oui, sûrement lors de la prochaine vidéo, parce que je pense que je vais aller fouiner un peu les shops des joueurs, voir s'il y en a qui n'ont pas farmé du charbon. Sachant que celui-là que j'ai chopé, là, le charbon, c'est tout ce que j'ai chopé sur les squelettes Wither, hein, dans le Nether. Ils en drop un ou deux, ça dépend. Enfin, vu que j'ai fait des grosses expéditions Nether avant la formation, bah du coup forcément j'ai chopé des bonnes quantités de coal. Ils n'ont plus grand chose pour valider. Et je pense qu'après on pourra atteindre l'avant-dernier. Vous voyez, donc l'avant-dernier, le vétéran, le grade vétéran. On n'est plus très loin de la fin des challenges. Hein. C'est vraiment l'objectif principal, les challenges. Et ensuite, on s'attaquera aux bestiaux qui est d'être premier. Alors déjà, vous avez vu que l'île a pas mal avancé. Alors si on lève les yeux, vous voyez, Yuri, il a toujours la tête en l'air, comme on dit. Et là, l'expression, je pense, est très très appropriée à la circonstance, parce qu'il est vraiment perché. Il est vraiment perché, notre petit Yuri. Il est vraiment en hauteur, quoi. Donc Il sur était un... sur moi. Ah ouais, j'ai... Ah carrément, slash TP... C'est TPR, hein, ouais, TPR Yuri. TPA. Ah non, c'est... Puis c'est pas Yuri, c'est l'heure. Ah, c'est TPA pour que je me TP moi sur toi. D'accord. Ouais, je sais même plus les commandes. Ah, vas-y. Attention, attention. J'espère que je vais pas mourir écrasé comme une crotte. Alors, ah oui, bah, il s'est fait une petite forme à un cactus, le pépère, là. On se refuse à rien. Bah non, mais ça c'est que le début et elle a encore Oui. monté très très haute. C'est que monsieur veut se faire du budget, là. Ouais, donc tu t'es fait un petit truc. Bon, on va visiter ça, là. On va voir ça. Ah ouais. Il s'est fait un petit système, là, le petit Yuri, là. Ah, enfin, Elle est le... bien. Ah là 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 là, quel coquin celui-là. Ah oui, bah bosser un petit peu pour en 6 jours quand même. Ah c'est bien, c'est bien, c'est bien. Faut prévoir haut. Parce que ça, faut savoir que le cactus se vend quand même 200 le stack, hein, si je me trompe pas. C'est Vraiment un ça. truc Hein. que j'ai fermé abusé quoi. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le cactus, quand vous avez vraiment une grosse farm à cactus, vous pouvez avoir vraiment de grosses quantités d'argent. Et puis l'avantage de sa plateforme en neige, c'est que bah, très clairement, en fait, ça coûte à rien, quoi. Parce qu'en fin de compte, vous avez juste à faire une petite farm à neige, et puis vas-y, 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 que je t'embrouille, quoi. Alors voilà, vous voyez, vous avez un système aussi. Bon, voyez, bon, moi, j'avais fait un truc droit, mais vous voyez, c'est un autre système pour faire tomber l'eau. Donc, au lieu de faire un truc qui va dans un seul sens, là où vous avez dans les quatre sens. Voilà, ça rassemble tout au milieu, en fait. Donc, c'est un peu le même principe, sauf que là, on part vraiment, vous voyez, hop, vous voyez, on part vraiment vers le milieu, vous voyez. Voilà. Donc voilà, c'est un autre système de récolte de cactus. Après, si vous faites une farm à cactus qui n'est pas très large, mais qui est axée sur un carré, vous pouvez faire ça. Si vous, par contre, vous voulez faire vraiment une rangée, c'est-à-dire quelque chose qui va prendre de la largeur, mais qui ne sera pas très très large, vous pouvez partir sur le système qu'on a vu sur l'île. Hein. Mais les deux sont très bons. Hein. Les deux sont très bons. Donc après, libre à vous d'utiliser celui qui vous parle le plus. Sachant que là, ouais, on est sur une hauteur de 1, 2, 3, 4. Je crois que celle-là que j'ai fait en bas, elle doit être que 3, je crois. Donc du coup, elle doit être un poil plus efficace, normalement. Donc voilà. Donc vous voyez, donc l'île a bien avancé. Et du coup, si je fais un slash is level, attention, roulement de tambour. Nous avons une île niveau 951. Ouais, Yuri s'est quand même bien lâché, quoi. On va pas se mentir. On va pas se mentir, Yuri c'est quand même bien lâché. Puis il faut dire aussi que, je sais pas si t'as remarqué Yuri, hein, mais c'est vrai, enfin l'heure Yuri, hein, donc vous inquiétez pas, n'ayez pas peur si je dis Yuri à la place de l'heure, c'est que Yuri est son vrai pseudo de jeu en temps normal, donc, et l'heure est son pseudo Minecraft. Donc il faut savoir que les lianes qu'on a mis tout le long de l'île, ça fait gagner quand même pas mal d'XP, on va pas se mentir, ça fait quand même gagner pas mal d'XP. Si on a au moins 300, voire 400, 300 points faciles grâce aux lianes. Hein. Donc ça, ah, un petit cactus qui fait le rebelle. Il a voulu s'échapper, lui. Il a voulu s'échapper. Donc du coup, ouais, donc, vous voyez qu'on a un niveau de 900 et du coup dans le top nous sommes quand même classés 7e. Nous sommes 7e les amis. Alors par contre il y a un truc qui me surprend, Yuri, il va falloir qu'on me dise. Je vois un groupe de personnes, DJCZQ, qui sont premiers avec une île de 7781, sachant que quand je suis parti il y a 10 jours. Elle était que niveau 2000. Et faire un tour. C'est quand même bizarre. Alors attends, slash is warp. Parce que ça sent soit un admin qui se fait plaisir. Soit. Oula, oula, je me suis planté sur le pseudo là. Ah mais il l'avait déjà. Ah bah on y a accès. Ah oui d'accord, ok. Ok, d'accord. Ok, creative mode quoi.
Creative Mode. D'accord. Pas où ils ont pêché le diamant, par contre. Ouais, non, mais là, c'est Creative Donc, Mode. il faut carrément l'acheter le diamant. Là, c'est... Ah, Là, mais ok, c'est... mais Enfin, si. un diamant à 1000, sachant qu'il coûte moins cher. Hein. C'est un peu abusif. Ah ouais, puis... Ouais, dommage qu'on n'ait pas accès à l'extérieur pour acheter un œil, parce que... C'est dommage. Ah ouais, puis ils se font plaisir sur les prix, quoi. Ça coûte moins cher en... Ça coûte quand même moins cher dans le shop. Ouais, bon, après, voilà. Bon, de toute façon, on peut pas non plus éviter... voilà, des... Parce que là, clairement, cette île n'existait pas. Enfin, ou tout du moins, je l'ai pas vu dans le top. Quand je suis parti il y a 10 jours. D'ailleurs, il faudra que je re-ziote les dernières vidéos. Mais il me semble que je l'avais pas vu dans le top. Et bizarrement... ouais. Attends, je vois DJCZQ et Shiny. Attends, mais ils ont... Attends, slash... players pour faire la liste des joueurs? Non. Attends. Shiny. Ouais, et l'autre. Comment avez-vous eu tout ce diams? Parce que là, je suis quand même curieux. C'est quelque chose qui me qui m'interroge. Alors après, ils ont un grade spécial aussi, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'ils doivent être... J'ai regardé les grades et ils donnent pas du diamant. Il donne pas du diamant? Alors, enfin, m'expliquer, parce qu'il y a quelque chose qui me... Il y a quelque chose que... Parce que là, il y a quand même une masse de diams, quoi. Là, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, fois 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ils ont 130 blocs de diams, là, déjà. Ici, rien qu'ici. Tu vois? Encore le fer avec une femme à fer, ça va vite. Mais 130 fois 64, fois 9, parce que c'est 9 diams par bloc. Ça fait du ouais du plus de 1000 diams quoi. C'est-à-dire que là ils ont 1000 diams, admettons ils ont acheté au shop, hein, c'est possible, hein, faut dire ce qui est. Au shop, le diams coûte, alors attends, économie, 150. unité? Non, Ouais. unité il est à 900, le diams. 900. Il est à 900, donc 900 000. Moi je veux bien, mais soit leur grade est overcheaté quand même, faut, on va pas se mentir. D'ailleurs il m'a pas répondu, donc je Ça peut pense... être là, soit il est AFK, soit je sais pas. Alors est-ce Ouais. qu'il est connecté? Ouais, mais les deux sont connectés et les deux ont un grade spécial. Donc soit le grade est overcheaté, et pour le coup ça me décevrait un peu. Soit c'est vraiment Alex, on l'a volé. Alex Kidd, on l'a volé. Voler carrément, alors là c'est nouveau. Alors attends, volé? Alors qu'il m'explique là. C'est quelque chose... Enfin... Ce qui se croit en faction maintenant sur du bloc Ouais, non de mais... fer. Ouais, ça va être du faction là. Alors moi j'aurais bien voulu jeter un oeil à l'extérieur de leur... Ah ouais, non mais il y en a partout. Même quand tu pètes le bloc à côté là, tu vois, je suis en train de zioter leur... Bon, sans... Ah ouais, non mais attends. Non, on l'a acheté. Alors attends, acheté en boutique. Alors bon, on va pas passer la vidéo là-dessus parce que je pense que nos viewers s'en moquent un peu de savoir. Mais moi, ça m'intrigue un peu quand même. Ça, oui, IG. Ouais. Le petit ouais interrogatif, tu sais. Bon bah écoutez, de toute façon, clairement, l'objectif secondaire est de bien se Ah classer. ouais, non mais attends, regarde son argent, Shinigima aussi. Attends, slash monnaie. Chi. Non mais 7 millions, non. Mais par contre, l'argent, tu peux C'est... l'acheter au shop, clairement. Enfin, tu peux Ah l'acheter sur oui? le site. Ah ouais? Et ça Ouais, coûte tu peux combien? Enfin, l'acheter moi sur le je site. compte pas en acheter, mais... Je sais pas, mais tu peux acheter par million, je pense. Clairement, Ah ouais, ce non mec, mais... il a dû mettre 50 € pour ce jeu, quoi. Ok, d'accord. Ouais, bah, de toute façon, déjà, il a un grade de donateur, déjà, donc... Bon, après, bon, nous, on l'a juste acheté. Ok, ça explique. Par contre, là, je vais te laisser, je dois partir, Bah, y a pas de mais... souci, oui, moi je vais finir avec nos... Je vais finir la vidéo, puis je vais voilà, dire un petit peu nos projets futurs. Et du coup, bah, à très bientôt, Yuri, alors. Et donc Yuri est parti, donc on va continuer bien sûr ensemble cette vidéo. Je vais vous parler un petit peu des projets donc futurs. Alors après, il faut savoir que malgré ce qui peut se passer sur le jeu.
Au niveau du pay for win, bah, entre autres, nous, ça altérera pas notre façon de jouer, de toute façon, parce que notre objectif reste d'être premier des joueurs qui ne font pas du pay for win. Donc, bien sûr, nous, on part sur la base des joueurs qui ont un niveau à 2000, parce que si on regarde le top, si on fait un stage is top, les joueurs qui sont ici, donc vous voyez chez l'IA, etc., ce ne sont pas des joueurs pay for win. Enfin, tout du moins, ils ne l'ont pas été au départ. Ils ne sont pas bourrés de diams, etc. Donc, du coup, clairement, nous, ce qu'on va faire, c'est essayer d'atteindre cet objectif-là, hein, ce niveau de joueur-là. Et on va pas trop se baser sur le niveau de ceux qui mettent de l'argent sur le jeu, hein, clairement. Donc, déjà, si nous, on arrive à rentrer dans le top 3 à la fin, ce sera déjà pas mal, à remplir tous les challenges, ce qui serait un objectif en soi aussi. Et du coup, ça serait pas mal. Au niveau du au niveau de la du serveur, alors si vous êtes intéressé pour nous rejoindre en tant qu'à participant, n'hésitez pas. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous proposer, hein, parce que nous on serait ravis de vous accueillir dans notre petit groupe Minecraftien. On n'est jamais trop, on n'est jamais trop, hein, comme on dit. Et du coup, bah, écoutez, bah, je pense qu'on va, on va s'arrêter là pour cette vidéo, parce que je pense qu'on a fait le tour de l'île et des nouveautés du Skyblock. On va se retrouver très bientôt sûrement pour d'autres machines automatisées qui vont peut-être même vous aider, vous, à pourquoi pas automatiser votre île. Si vous êtes joueur du serveur ou sur un autre serveur Skyblock, vous pourrez utiliser justement nos connaissances, enfin ce qu'on vous a pu vous apprendre lors de nouvelles vidéos. Du coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Minecraft. A bientôt les amis.